au sol. D'habitude, un étranglement, comme on l'a vu jusqu'à présent, j'insère, pouce vers le haut, je vais saisir, mon pouce va servir de l'autre côté, je ramène, je tends bien le gui et je ramène. On est tous d'accord? Ok. Et voilà, je fais pas ça. Par contre, toujours le même principe, un pouce vers le haut, sauf qu'à la place d'aller en diagonale, il va droit. Ok? En gros, c'est comme si on était sur de la louta et j'insère. Bloc. Ok? Maintenant, l'autre, quand j'étrangle quelqu'un, l'autre, c'est fait avec le pouce. Pareil. Pouce. Ok? Donc, à la place de faire des croisés, je suis dans le même axe. Ok. Maintenant, si j'ai une âme de judoka, je vais pouvoir l'étrangler debout. Je n'invite à pas trop le faire. Parce que mon idée, c'est partir comme un moroté. D'accord ? Vous ne savez pas ce qu'est moroté, ça ne vous parle pas. Je vais partir et je vais descendre. Ok ? Là, là. Et là, voilà. Ça paraît rien. Mais là, c'est super fort en fait. Donc en général, je vais tenter de ne pas le faire fort. Mais le fait que je fasse ça, que j'y ai pleine balle et que je l'emmène sur la route, ça va. En général, quand il arrive au sol, il dort. C'est un moroté de brute, ça. Hein ? C'est un moroté de brute. C'est un moroté de bâtard. C'est un beau moroté. Il était beau, ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un moroté qui nous demande beaucoup moins de technique qu'un moroté. Parce que j'ai pas le kozushi à faire. J'ai pas à faire beau gosse, etc. Tu vois, quand je vais faire mon roté, ou quand je prends ici, il va falloir que je l'invite à la queue dalle. Je suis là en mode brut. On est là, je fais ça, et dès qu'il veut bouger, je m'en fous de ce qu'il fait. J'ai juste un genou et je tourne. Je fais juste ça. Alors, je vais aller tout cool parce que j'ai pas envie de faire mal. On est là, hop, et voilà. C'est moche, hein. C'est trop bien. Alors, si je voulais voir un best-of de ça, c'était Gorilla Hands, Magi, je sais plus quoi. Je vous taper Baseball de Chokes et je le fais en compète face à des black belts. Hein. Papa, il part, tu vois, le mec. Le temps que ça descend, le mec il dort. Et donc tout désarticulé. C'est beau gosse. Pas beau gosse. C'est un peu choquant. Au sol maintenant. Donc, je viens de faire tomber mon partenaire. Hop, je vais le reprendre comme ça, c'est pas plus simple. J'ai emmené mon partenaire, je l'ai emmené. Ok. Même chose, j'insère. Ok, maintenant, on va pas le faire beaucoup, mais c'est juste pour que vous compreniez le principe. On est là, je sors, et je commence à tourner. Ok. Bon, ça c'est la version pas drôle. La version drôle, elle est là. Je suis en dessous. Apeuré. Donc, j'ai tenté de faire mon truc, ça marche pas. Je décide de reprendre mon grip. Sauf que sur mon grip là, je reprends. Pas habituellement comme ça. Mais 4 doigts, pouce extérieur. Je vais ici. Je repars sur mon délire. Je pars là. Sauf que là, je vais faire un truc sympa. Je vais insérer et je vais partir là. Qu'est-ce que lui, il a envie de faire spontanément ? Partir sur la droite. Exactement. Ce qui est normal. Hein. Ouais. Ok, donc il commence à faire ça. Vas-y, fais-toi plaisir. Là, je prends mon col et je tourne. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un art en rouge. Ça a l'odeur de c'est un bon truc. Ça a l'air trop bien et en fait, ça pue. Ok ? On est là. On passe. Et ça, on fait beaucoup. C'est les tricks de bâtard qu'on aime bien faire. Genre. Le gars se dit oh, c'est bon, je lui mange sa garde. Et après il se dit D'accord. Donc je suis ici, je travaille, je fais comme si j'y arrivais pas. Voilà, là il est tout content. J'insère. Il faut même quand ça va venir me couvrir. Hein. Je pose dessus. D'accord. Baseball bat. Tchouk. Allez, j'y mets.